Alors, l'euro fait venir beaucoup de personnes de tous les pays et c'est une bonne chose. Ouais. Et au niveau de l'euro, il n'y a, je crois, pas tellement de problèmes. Ouais. Par contre, le système de sécurisation qui a été mis en place, il empêche le commerce. On est embêté à cause de cette manifestation de l'euro 2016. Bon, l'impact sur l'euro 2016, négatif. Ils ont bouclé tout le quartier. On a beaucoup de clientes qui n'osent pas venir parce qu'elles ne veulent pas venir à pied. Puis ça fait beaucoup de mouvements de foule, donc ça leur fait peur. Les gens ne peuvent pas circuler comme ils veulent, les voitures ne peuvent pas arriver. Tous les commerçants font des pétitions et tout ça, mais ça ne sert à rien. Eh bien, on ne travaille pas beaucoup en période de solde et c'est un manque à gagner pour nous, donc on ne sait pas si on va être indemnisé ou pas. Mais pour l'instant, on attend de toute façon que ce soit terminé le 10 juillet. Par rapport à l'année dernière, on a moins 20% de chiffre d'affaires. Parce qu'on a un peu plus de touristes, mais nos vrais clients ne viennent plus. Ils ont fermé tous les coins. Nos vrais clients, c'est en voiture, ils viennent en voiture et tout. Donc, ils ne se déplacent plus. Ils ne viennent plus dans le quartier, quoi. On a assisté à la réunion, c'était juste pour que les commerçants du quartier puissent dire pourquoi ils se plaignent, ce qui ne va pas, voilà. À la réunion, ils ont pu débloquer quelques rues, pas toutes les rues, mais quelques rues où il y a beaucoup de commerçants, comme la rue de Saint-Dominique, la rue de Grenelle, ils ont débloqué. Mais à partir de 17h ou 16h, ils rebloquent encore tout. Et avant, ils bloquaient tout à 11h. À 11h, on ne pouvait pas rentrer. Même pour les livraisons, tout ça, on ne pouvait pas rentrer.